Écoutez, bonjour, on est toujours assez ému de voir autant de personnes venir nous écouter. On n'a pas participé ni au premier jour ni au deuxième jour parce qu'on est entre deux avions. Déjà, je voudrais dire un grand merci aux agriculteurs et aux gens qui nous ont écoutés parce que pendant 30 ans, puisqu'on a commencé, ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de faire prendre conscience que, effectivement, le sol, c'est la base de tout, c'est la pyramide de la qualité de notre vie et de tout ce qu'on fait. Parce que quand un sol est en mauvais état, eh bien, en fait, les problèmes de pollution d'air et d'eau, vont être liés, puisque quand un sol est pas en bon état, l'eau. Vous avez vu, on a participé, on vient de voir que deux conférences où en fait dès qu'il pleut, eh bien on a des rivières qui sont complètement colorées. Et ça, c'est dû, on critique toujours la pluie, mais en fait c'est dû au problème de la dégradation des sols. Et en pays, disons, tempérés comme nous sommes, les dégradations, elles sont de plus en plus visibles. Mais quand on est dans des pays où le climat est extrêmement violent, où les sols sont des sols battants avec des grosses difficultés, mais en fait les dégâts sont encore plus violents puisque les érosions vont être beaucoup plus catastrophiques. Et quand vous perdez votre sol, vous êtes pour nous dans le dernier état de dégradation des sols. Et il y a certains endroits, on arrive à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose pour l'eau. Et puis quand vous avez un sol en mauvais état, eh bien, le problème de l'air, les pollutions de l'air avec les pluies acides, comme on en a beaucoup parlé à un moment, eh bien, c'est lié aussi à ça. Et le problème du gaz carbonique et en ce moment du réchauffement de la planète. Donc, c'est vrai qu'on a été, je pense qu'on a été comme quelques pionniers, des lanceurs d'alerte et qu'on a posé. Ça a posé pas mal de problèmes parce qu'effectivement, on a eu énormément de critiques et on en a encore en disant qu'on est extrêmement clivant, qu'on voit les choses en pas de façon très très positive. On voit les choses changer. La preuve, c'est qu'il y a énormément de réunions et que le semi-direct sous couvert, comme vous avez vu. Il y a un certain nombre d'années où on a fait installer le premier semi-direct sous couvert en France et que c'est certainement une clé pour remonter le taux de matière organique dans les sols. Vous avez vu qu'en 10 ans, on augmente de 0,1% par an de matière organique dans les sols. Alors pour certains, c'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, au niveau de l'échelle, de notre échelle et de la création des sols, c'est en fait extrêmement rapide, alors que le labour va provoquer des dégradations énormément des sols. Donc, pour parler de cette dégradation, on travaille beaucoup en Europe, mais ça nous a amené à aller dans d'autres pays. Et c'est vrai que le constat n'est pas. Il y a une prise de conscience partout, et je pense que ça, c'est très bien. Il y a tout ce qui est fait, le Grenelle de l'environnement. Nous, on l'a vu au niveau de notre laboratoire. On l'a même vu parce que on avait beaucoup de mal à rentrer dans les collèges agricoles ou dans les lycées. Et depuis le Grenelle de l'environnement, on est demandé très souvent dans des collèges pour parler de ce que l'on a vu et de parler du sol et de ses lois. Donc, comment pour nous, on est des scientifiques, on a travaillé là en ce moment, on a eu la chance de trouver une personne, enfin une fondation qui passe par l'université de Dijon, l'université de mathématiques, puisque nous ne sommes pas des statisticiens et c'est très très difficile de faire parler les chiffres. Donc en fait, en ce moment, on est en train de travailler, enfin cette université travaille sur les résultats du nombre. Nous avons fait à peu près 9000 profils de sols en France, dans le monde, pour déterminer quels sont les problèmes de dégradation des sols. La dégradation des sols, en fait, elle est peu visible. Elle est visible pour vous,
pour les citoyens quand c'est l'état, disons, le plus difficile à remonter. La première dégradation des sols, c'est de la perte de la matière organique. Et en fait, vous allez perdre la porosité du sol. Parce que quand vous avez de la matière organique, vous allez avoir des vers de terre, mais vous allez avoir une faune, la microfaune, collembole, acarien, myriapode, les mille-pattes, par exemple, qui vont être des brasseurs de sol, qui vont faire une porosité du sol. Vous allez avoir un sol qui va être comme une éponge. Et dans une éponge, eh bien, vous allez avoir de l'oxygène et vous allez avoir une perméabilité de votre sol beaucoup plus importante. Et le fait des labours profond, de l'utilisation beaucoup de fertilisation et d'engrais fait qu'on va, perdre petit à petit cette faune qui va faire que les sols vont se compacter et à ce moment-là, bon, les racines auront beaucoup plus de mal à descendre et vous allez aller sur la dégradation, ce qu'on appelle la dégradation chimique, où là on a commencé à critiquer les agriculteurs et à dire qu'ils étaient des pollueurs parce que les nappes phréatiques se sont retrouvées avec une grande quantité de nitrates. Et la France n'est pas la première au niveau, elle est dans les dernières par rapport tous les ans, elle se fait taper sur les doigts parce qu'on a des nappes phréatiques qui sont énormément polluées ou contaminées par les nitrates et on en voit des exemples. Hélas, pour les gens qui sont en bord de mer, ben les algues vertes de la Méditerranée, de la Bretagne, mais moi je suis d'origine italienne et l'Adriatique, je peux vous assurer que c'est quelque chose aussi. Donc en fait, ça c'est parce qu'en fait vos éléments n'étant pas remués par la faune vont descendre dans le profil et vont être solubilisés dans les nappes phréatiques. Mais là on ne parle que des nitrates, mais il y a bien d'autres éléments qui sont dedans. Et quand vous avez ça, quand vous arrivez à ce stade et qu'on ne remonte pas, en fait on va arriver à la dégradation physique du sol, c'est-à-dire que vous allez perdre votre sol. Et c'est les images qu'on a vues tout à l'heure dans le Nil, ou c'est ce qu'on voit dans les régions parisiennes. Enfin, chaque fois qu'il pleut de la pluie, qu'il pleut beaucoup, les gens disent « Ah ben c'est de la faute, la pluie, ça dégrade tous les sols ». Non, parce que votre sol, en fait, il n'a plus sa cohésion, il n'est plus en accord, en équilibre entre les argiles et la matière organique et les éléments, et à ce moment-là, ben, il va devenir comme de la farine, il va plus pouvoir se tenir, il va rentrer en suspension dans l'eau, et si on a un tout petit peu de pente, eh bien, le sol va se charger de cette terre, de ces limons, et va devenir érosif. Il faut savoir que la force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. Si vous prenez de l'eau pure, eh bien, en fait, votre eau, elle va décoller les papiers, peut-être coucher l'herbe et tout, mais elle ne sera pas érosive. Mais dès que vous mettez un tout petit peu de limon, vous allez augmenter le poids de votre eau, et comme c'est du carré, eh bien, petit à petit, ça deviendra érosif. Ça va soulever du sable, des grains très très fins, ces sables vont encore alourdir l'eau, elle deviendra de plus en plus érosive, et on aura les dégradations qu'on voit qui peuvent soulever des voitures et carrément des maisons. Comme on a dit, effectivement, on peut, dans cette étude qu'on est en train de faire, on accuse souvent de dire il pleut pas assez et quand il pleut, les pluies sont plus violentes. On a travaillé dans un domaine pendant 30 ans où en fait la mesure de la quantité, les journées de pluie et les volumes d'eau sur 30 années entre 1985 et maintenant. En fait, c'est extrêmement aléatoire et M. Dabetti a montré, en fait, en fonction des années, vous avez beaucoup de pluie, moyennement de pluie. La moyenne, pendant ces 35 ans, on n'a pas perdu de quantité d'eau par an. Alors qu'on parle toujours de sécheresse, mais en fait, en moyenne, de façon significative, ça n'évolue pas. Et c'est très difficile de dire... Eh bien, on avait tendance à dire qu'on était dans un climat qui devenait, on avait de plus en plus de pluie en hiver et moins en été. Eh bien, sur ces 30 années, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, le problème de la dégradation, c'est pas parce qu'il y a trop d'eau, c'est pas parce que on a des pluies violentes, c'est aussi parce qu'on a des sols qui sont pas en très bon état. Bien. Je suis vraiment content de voir le long chemin parcouru, puisque quand on était avec Lydia à l'INRA, on a participé à la création du premier collège d'agriculture biodynamique en France en 1982, avec Suzanne et Victor Michon. À l'époque, les agriculteurs voisins avaient mis le feu au bâtiment parce qu'ils nous traitaient de sectes dangereuses.
Et puis vous voyez, là on vient de parler de monsieur Dusserf. Dusserf enseignait dans ce collège d'agriculture biodynamique avec nous. Et je suis vraiment content de voir comment les choses ont évolué. On nous a traité au début de fous parce qu'on parlait de la vie des sols. Et en fait, nous, ce qu'on avait observé quand on était chercheur à l'INRA, on avait observé un changement complet de la microflore des sols. Ce qui était tout à fait stupéfiant dans les sols en agriculture conventionnelle, c'était la disparition des champignons et de la faune. Et par contre, un très bon maintien et parfois même une augmentation de la masse de bactéries et même des espèces de bactéries. Et vous savez que les bactéries sont déminéralisatrices. Hein, les bactéries sont capables de s'adapter à tous les produits chimiques que vous pouvez mettre. Et surtout, elles vivent très bien dans les milieux minéraux. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir que la perte de la matière organique au cours du temps, depuis les années 50 en France, aboutissait à une invasion des sols par les bactéries qui sont déminéralisatrices, donc qui continuent à accélérer la perte de la matière organique. Et nous, on voyait dans notre laboratoire la disparition des champignons. Or, les champignons, c'est eux qui fabriquent l'humus. C'est que les champignons sont quasiment... Il existe quelques bactéries qui attaquent la lignine, mais quasiment pas. C'est les champignons qui sont les maîtres de la lignine et qui fabriquent l'humus. Et les champignons servent d'alimentation à toute la faune, acariens, collemboles, etc. Donc nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans cette évolution, c'était... On essaie d'expliquer aux agriculteurs, faites attention, vous êtes en train de perdre ceux qui fabriquent l'humus et qui retiennent votre sol, c'est-à-dire ceux qui font votre patrimoine, les champignons et la faune. Et à l'INRA, on disait, mais on s'en fout, les bactéries marchent et les bactéries elles minéralisent, donc ça fait plus de rendement dans les plantes. Donc c'est vrai qu'on était assez en opposé. Je me souviens qu'à l'époque, à l'INRA, on disait, Bourguignon, tu nous emmerdes, il n'y a plus de vers de terre en Beauce, on fait quand même 100 quintaux. Donc c'était le grand raisonnement, donc les vers de terre ne servent à rien, ce qu'on appelle le raisonnement du polytechnicien. Je prends une puce, je lui dis saute, elle saute, je reprends la puce, j'y coupe les pattes, je lui dis saute, elle ne saute pas, conclusion, les oreilles des puces sont dans les pattes. Donc c'était, il n'y a pas de vers de terre, donc ils ne servent à rien. Et donc c'était intéressant d'essayer d'expliquer aux agriculteurs, et le sujet auquel on s'est heurté tout de suite avec Lydia, c'est comment faire pour relancer les champignons et la faune. Et pour ça, on a travaillé dans les milieux sauvages, parce qu'on a eu l'occasion de travailler au Brésil, en Afrique, en Asie, etc. Et dans la forêt, qu'est-ce qu'on observait? On observait que dans la forêt, il y avait une couverture permanente de feuilles et de matières organiques, et qu'il y avait une faune et une masse de champignons, de mycélium, extrêmement abondant. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, puisque mon grand-père avait une ferme, on allait ramasser les rosées des prés dans les prairies. Et puis là, dans les années 80, 90, il n'y avait plus un champignon, on ne voyait plus du tout de carpophore. Là, M. Abadi vient de vous montrer des photos où on voit que dès qu'on commence à mettre de la litière sur le sol, ben les champignons reviennent. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré sur la notion de découvrir que quand on laissait la litière, donc ça a permis de travailler, on a travaillé avec Lucien Séguier au Brésil, on a travaillé un peu partout, on a travaillé avec le professeur Lemieux sur le bois raméal fragmenté, parce que c'est vrai que de tout ce que nous avons étudié en 30 ans, quand on travaille, là, je parle de sol totalement ruiné, je ne parle pas de sols comme en France, quoiqu'en France on ait des sols qui sont maintenant jusqu'au niveau du caillou. La meilleure façon de remettre un sol debout, de lui faire reproduire de l'agriculture, c'est de mettre du bois raméal, parce que le bois donc de taille des haies, il n'y a que les champignons qui peuvent l'attaquer. Et dès que vous mettez une couche de bois raméal, c'est impressionnant, hein, vous mettez ça sur de la latérite. La latérite, c'est un sol qui n'est plus occupé que par des bactéries chimiolithotrophes qui précipitent le fer et l'aluminium, et ça devient dur, mais comme du métal, il faut un marteau piqueur pour casser de la latérite. Vous recouvrez la latérite de 10 cm de BRF et vous pouvez redémarrer une agriculture. C'est-à-dire vous quittez les bactéries chimiolithotrophes, vous rentrez dans le monde des organotrophes avec les champignons et ils vous mangent la latérite. C'est assez impressionnant de voir la puissance des champignons, qui est vraiment la puissance de la faune, du sol et des champignons, a été totalement négligée par l'agronomie moderne. Et je pense que ce qui est passionnant en ce moment, c'est qu'on est en train de redécouvrir, de découvrir à quel point les champignons et la faune sont fondamentaux pour le fonctionnement des sols. C'est, il faut penser toujours à cette notion de matière organique. Pas vous obnubiler sur la minéralisation par les bactéries, mais penser aux champignons. Alors vous avez une petite règle, hein, en physique des sols qui est très simple. Si vous ne voulez pas avoir d'érosion, il faut qu'à la surface du sol, le taux de matière organique ne descende pas au-dessous de 18% de votre taux d'argile. D'accord, si vous avez par exemple 20% d'argile, il ne faut pas que vous descendiez au-dessous de 3,6% de matière organique. Et à ce moment-là, vos argiles seront flocculées et vous n'aurez pas d'érosion. Mais pour obtenir ces niveaux de matière organique, 3,6-4%, ben évidemment, il faut arrêter de labourer. Il faut faire ce qu'on vient de voir, là, garder les couverts. Autre loi fondamentale, c'est une loi de la botanique. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises herbes du tout, il faut cultiver 12 espèces. Il faut faire un couvert avec 12 espèces, vous couvrez 100% du sol, vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Vous allez me dire, 12 espèces, c'est compliqué à réaliser. Mais déjà, avec 6 espèces de couverts, dans un couvert, si vous en mettez 6, vous couvrez déjà 90%. C'était magnifique.
Et là, ce qu'on a vu, là, c'était magnifique. Là. Vous commencez à voir, et je vois par exemple Jean-Claude Quillet, qui a maintenant beaucoup de recul, ça y est, son fils va passer en bio, parce que sa pression de mauvaise herbe est maintenant tellement, quasiment négligeable, qu'il va franchir l'étape de passer en bio. Et je pense que le semi-direct sous couvert peut être une étape extrêmement intéressante pour passer après en bio. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez, comme vous savez le faire, vos couverts, vous arrivez à baisser votre pression de matière d'adventice, qui fait que ça ne va plus avoir d'influence importante sur votre... voilà. Et donc, je suis vraiment content de voir tout le monde. C'était un long parcours et je crois que maintenant, ça y est, tout le monde parle de vie des sols et pensez à cette notion de champignons et de faune. C'est vraiment la base de la fertilité de vos sols. Voilà, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Ça fait chaud au cœur. Merci. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions? Il suffit de lever un bras. Mais le premier bras est toujours difficile à lever. Voilà. Alors on s'excuse, on n'avait pas de support parce qu'on arrive d'Italie et on repart demain au Portugal. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, excusez-nous. Oui. Bonjour. En fait, je reviens sur le 18% du taux d'argile pour la matière organique. Et qu'est-ce qui se passe si on a un sol sans argile? Alors, si vous n'avez pas d'argile, c'est pas un sol. Ah bon, d'accord. Bon, bah tant pis. Merci. Un sol sableux, le sol des Landes. C'est pas un sol, c'est une roche mère meuble. C'est un milieu hors sol. D'ailleurs, on cultive hors sol dessus parce qu'il vous faut de l'argile pour avoir une capacité d'échange en cation. Le sol, c'est un complexe d'argile et d'humus, c'est-à-dire les deux sources de capacité d'échange. Sinon, vos plantes ne peuvent pas avoir d'échange nutritif avec votre sol. Alors, je voudrais rebondir sur sa question. Nous, on travaille dans certains domaines. On va parler de la vigne ou même quand vous avez très très peu d'argile. C'est très rare d'avoir zéro. Enfin, on peut avoir 2 ou 3% d'argile. Et on voit des agriculteurs ou des vignerons qui vont mettre des quantités énormes de compost, hein, des 50 tonnes à l'hectare et tout. Et en fait, c'est très très difficile de leur faire comprendre que, en fait, ils vont être pollueurs parce que vous n'avez pas assez d'argile pour complexer votre matière organique. Donc en fait, si on en a 4 ou 5%, elle pourra complexer un certain pourcentage, mais certainement pas 50 tonnes de compost qui sont mis, par exemple, chez certains. Donc en fait, votre matière organique ne sera pas retenue, ne sera pas complexée, ne sera pas dans le complexe argilo-humique, et à ce moment-là, la matière organique va être lessivée et vous allez polluer. Il vaut mieux à ce moment-là la fractionner que de faire un apport total. C'est pour ça qu'aussi cette connaissance est importante. Donc les anciens, ils marnaient, hein, la base de l'amendement, c'est la base de la gestion de votre patrimoine sol, c'est le marnage, apport d'argile si vous n'en avez pas, et le compostage, apport d'humus si vous n'en avez pas assez. Hein, c'est ce qu'on appelle les amendements à bien distinguer de vos engrais. Hein. Une question là-bas. Madame, levez-vous, sinon ils ne vous verront pas. Voilà. Hello, bonsoir. Hello. Bonjour, bonsoir. Merci de nous parler. J'habite dans un petit village dans le sud-ouest de la France et il y a à peu près 10 ans, ils ont enlevé le square du village était en terre. Ils ont enlevé tous les arbres, ils ont couvert toute la place de bitume. Donc la question est, combien de temps après qu'on couvre un sol avec du bitume complètement, combien de temps on a avant qu'il meure? Ouais. Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Odette Ménard tout à l'heure. C'est très compliqué. Bon, le temps, ça va dépendre du type de dégradation. Bon, la dégradation d'être dessous, mais quel type de sol vous avez? Si vous avez un sol qui va être assez 30% d'argile, 30% de sable, 30% de limon, ben, en fait, on aura plus de facilité. Mais c'est impossible de donner des dates. Nous, c'est souvent ce qu'on nous demande. Dans combien de temps j'aurai un sol qui sera vivant? Ça dépend complètement de l'histoire de ce sol. Effectivement, quand il est dessous du béton et on voit des gens qui sont en train de casser, mais si vous allez travailler avec du bois raméal fragmenté,
on peut avoir des réponses extrêmement rapides. Nous, on a des sols qui n'avaient pratiquement plus d'activité biologique, on ne comptait plus de faune. Au bout de 5 ans, 4-5 ans, avec ces techniques de respect, eh bien, en fait, l'activité biologique avait énormément monté, on avait de nouveau de la faune et les racines redescendaient. Mais c'est impossible, il n'y a pas de... Souvent aussi, on dit il n'y a pas de technique, il faut connaître votre sol. Ce qui va bien pour vous n'ira pas forcément pour votre voisin. Mais les sols revivent. Nous, on a eu l'occasion de faire des profils et puis de tomber sur des mosaïques romaines. Donc, c'était des sols qui avaient été régénérés, apportés par le vent, etc., par-dessus des anciennes constructions. Ça poussait très bien au-dessus. Hein. C'est ça qui était assez étonnant. C'est que les plantes se développaient bien. Elles avaient réussi, avec leurs racines, à attaquer les petits éléments qui joignaient la mosaïque, et puis elles passaient au travers, puis elles continuaient leur chemin. La vie, elle est solide, hein. Heureusement. Hein. Heureusement. On peut donc rester optimiste. Mesdames, messieurs, oui. Vous n'avez pas levé la main, vous avez levé deux doigts. Vous aurez le micro quand même. Merci. J'ai pratiqué aussi la biodynamie, et je voulais savoir cette méthode de fou qui existe, pourquoi elle marche ? La méthode de... Alors je pense que la biodynamie, c'est le principe, c'est l'homéopathie, appliquée aux plantes et au sol. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas avec de la matière, vous travaillez avec de l'énergie. Donc il faut plus... Quand vous raisonnez biodynamie, vous ne raisonnez pas physique classique de la matière, vous raisonnez physique quantique. Vous travaillez dans le domaine de l'énergie. Donc on est dans la théorie des cordes, on est dans un autre domaine, c'est de Broglie, enfin c'est toute la théorie quantique, hein, c'est autre chose. Mais il faut que vous sortiez de votre tête la physique classique de la matière, des électrons, etc. Vous rentrez dans la dimension énergétique. Et nous, on constate, hein, en particulier dans le vin, puisque c'est là qu'il y a le plus d'agriculteurs qui passent en biodynamie, c'est spectaculaire. On veut faire des dégustations en aveugle, la même parcelle divisée en deux, en biologie, en biodynamie, on fait les vins à part et on les fait goûter aux gens, c'est spectaculaire. Le vin en biodynamie a une énergie, un toucher de bouche très très supérieur à celui en biologie, parce qu'il a de l'énergie. Mais là, vous n'êtes pas dans la matière, hein, c'est une autre dimension. Alors, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, après, c'est des problèmes de démarche personnelle. Hein. On n'essaie jamais de convaincre quelqu'un à passer en biodynamie, on attend qu'il nous le demande. Et à ce moment-là, on l'aide à passer en biodynamie. Alors, c'est vrai ce que dit Claude par rapport au fonctionnement, mais on a fait des analyses puisqu'on a un laboratoire et on a travaillé donc avec ces vignerons ou ces vignerons qui, en fait, voulaient savoir, elles voulaient aussi comprendre de façon... entre guillemets, disons, scientifique. Donc on a pris dans les parcelles qui étaient divisées entre conventionnel et biologie et biodynamie, on a prélevé le sol en surface et en profondeur. Parce que nous, on travaille aussi avec la profondeur du sol, puisque la profondeur va donner quelque chose au plant. Ce qui était intéressant, c'est que entre conventionnel et biologie et biodynamie, c'est sûr que le conventionnel avait peu d'activité biologique et la biologie et biodynamie avaient plus d'activité biologique. Par contre, en profondeur, ce qui nous a surpris, c'est qu'on avait plus d'activité, parce qu'on a une activité biologique, surtout quand votre sol est vivant, il faut de la faune et des microbes pour détruire les racines qui sont en train de mourir en profondeur, pour nettoyer les galeries. Et on avait plus d'activité biologique en biodynamie qu'en biologie et bien sûr qu'en conventionnel. Et après, on a mesuré ce qu'on appelle les éléments assimilables par la plante. Donc le calcium, bon, les agriculteurs, s'il y a des agriculteurs, le calcium, le phosphore, le potassium et les oligo-éléments. Et bien en fait, on avait plus en profondeur d'éléments mobilisés, solubles pour la plante. Donc on ne sait pas comment ça fonctionne, comment cette énergie va faire ça, va stimuler plus l'activité de profondeur, mais dans le cas du vin, quand vous avez plus d'assimilation en profondeur, comme les arômes ont besoin de cofacteurs métalliques, si vous en mettez plus de cofacteurs métalliques, vous allez générer des arômes différents. Donc c'est quand même un résultat, il faudrait effectivement beaucoup plus de recherches, mais c'est pas qu'il se passe quelque chose quand même. On a observé des changements de couleur de sol quand on passait en biodynamie. C'est-à-dire des sols qui étaient en hydroxyde de fer, c'est-à-dire qu'ils étaient jaunes, donc ils ne respiraient pas très bien. En 5 ans de biodynamie, ils deviennent rouges, qui indique qu'ils sont passés en oxyde de fer, donc ça veut dire que l'oxygène est rentré en profondeur dans le sol, ce qui pour la racine de la vigne change tout, et ça permet à la racine de plonger, et donc après de donner un goût de terroir au vin beaucoup plus marqué. Donc vous pouvez même changer la couleur d'un sol
en passant, en utilisant la biodynamie. C'est pas accepté pour le moment par les académies. Hein. Si, la physique quantique est acceptée par les physiciens, mais les biologistes sont très très en retard par rapport aux physiciens. Les physiciens sont beaucoup plus évolués. Ils acceptent la notion d'énergie, ils parlent de particules charmées, d'attracteurs étranges. Enfin, ils ont un dialogue, ils ont un langage poétique, les physiciens. Les biologistes, ils sont encore très les pieds sur terre, très matérialistes. Ils n'ont pas encore compris la dimension énergétique du monde vivant. Mais ça viendra, ça va venir, il n'y a pas de raison. Et est-ce qu'une autre question viendra aussi ou... Mesdames, messieurs, là-bas tout au fond, là, ne vous cachez pas dans l'ombre sous laquelle vous êtes. Ah, Louise, tu avais une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout votre travail. Je pense pouvoir dire que vous avez été une inspiration pour bon nombre d'entre nous, moi compris. Merci. La question est la suivante. J'ai beaucoup entendu dire qu'il fallait souvent respecter le type, le profil de son sol. Ma femme et moi avons une ferme qui était auparavant une forêt et des prairies. On a tout rasé. Enfin, quand je dis on, il y a un bon nombre d'années. Ça a été rasé, on a mis du drainage partout. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que bon, voilà, c'est un système qui ne marche plus très bien. Alors, on va essayer d'appliquer les principes qu'on a vus aujourd'hui et hier. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il faut en faire ? Est-ce qu'on peut tout produire dessus ? On peut partir sur du fruit ? On peut rester sur la polyculture ? Qu'en faisons-nous ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sol, il a une vocation. Vous avez des sols pour faire du vin, vous avez des sols pour faire de l'huile d'olive, vous avez des sols pour faire des céréales, vous avez des sols pour faire des pâtures, ce qu'on appelait des sols pour faire du maraîchage, ce qu'on appelait la vocation des sols. C'est-à-dire que les anciens qui étaient obligés de se nourrir, ils n'avaient pas l'engrais, ils n'avaient pas toute notre technologie, il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils nourrissent leur famille. Donc très rapidement, ils se sont rendus compte, ils ne portaient jamais de jugement sur un sol, contrairement à nous, ils ne vous disaient pas, c'est un sol pauvre, ils disaient ça, c'est un sol pour faire de la vigne. Vous savez, la Romaine et Conti, ils ont l'intelligence de faire du vin, ils ont raison, ils feraient du blé, ils feraient 10 quintaux, ils sont intelligents, ils font du vin, et c'est le domaine qui rapporte le plus de pognon à l'hectare dans le monde. Donc, ils ne sont pas trompés, ils sont restés dans la vocation du sol. Notre technologie nous a fait croire qu'on pouvait faire n'importe quoi, n'importe où, grâce à l'irrigation, grâce à la fertirrigation, etc. Et plus vous vous éloignez de la vocation de votre sol, plus c'est compliqué. Si par exemple vous avez un sol très argileux qui avait une vocation pâturage, vous savez qu'au-delà de 40% d'argile, ça devient compliqué de cultiver, vous voulez absolument le mettre en valeur, le labourer, vous allez vous heurter à des contraintes mécaniques qui vont énormément, vraiment vous compliquer la tâche. Si les anciens l'avaient mis sous prairie, ils avaient compris la vocation. Donc vous avez aussi des sols pour faire de l'arboriculture, des fruits. Bon, et surtout, ce qui est intéressant dans la vocation, c'est que ça vous permet de faire de la qualité. C'est-à-dire que si vous avez un vrai terroir à vigne, vous ferez du bon vin. L'autre fois, on a été appelé par quelqu'un qui, parce que c'est maintenant les gens riches, ils veulent absolument avoir une vigne, comme on avait un château avec une maîtresse au XVIIIe siècle. Maintenant, faut avoir son vignoble. Et le monsieur nous appelle, il avait acheté une terre, il dit, je veux faire un très très grand vin, je voudrais faire le meilleur vin du monde. Alors déjà, on lui dit, calmez-vous, ça fait 7000 ans qu'on fait du vin, les grands vins, ils sont repérés depuis un moment. Puis on étudie le sol, on lui dit, non, ça c'est un sol à maïs, vous ne ferez jamais de vin là-dessus. Il a été terriblement vexé. Il a été terriblement vexé parce qu'il pensait qu'avec son argent, avec sa puissance financière, il allait faire le plus grand vin du monde. Non, vous ne ferez jamais un grand vin sur une terre à maïs. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter la notion de vocation des sols. Donc essayez de comprendre. Il faut connaître votre sol pour savoir qu'est-ce qui vous permettra de vivre, d'avoir les meilleures marges financières, de mieux vivre. Plus vous serez proche de la vocation, mieux vous vivrez sur votre terre. Mesdames, messieurs. Oui. Bonjour, comment fait-on pour trouver la vocation de son sol ? Ça, c'est la bonne question. Bravo. Est-ce une question piège ? Non. Non, ce n'est pas une question piège. Je pense que déjà, on devrait se baser sur ce que faisaient les anciens, parce qu'il y a quand même pas mal de littérature et ancienne où, en fait, il y a des régions qui vont être plus porteuses de certaines autres choses. Je pense que, alors bon, bien sûr, les gens vont dire qu'on parle pour notre travail, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a trop de méconnaissance. Les agriculteurs ne connaissent pas leur sol, dans le sens où, en fait, déjà, bon, les machines sont de plus en plus lourdes, ils ne sont pas au contact de leur sol, ils ne les piochent plus, ils ne font pas souvent des trous. Et en fait, la gestion d'un sol, ce n'est pas que sa surface. Pour avoir une vocation, il va falloir aussi que vous connaissiez le type
de plantes que vous allez faire, et à la limite son enracinement. Monsieur Abadi disait j'ai fait des mesures de céréales qui poussent, nous on dit pas plus de 60 cm, hein, c'est ça, par un centimètre par jour. Donc ça veut dire que si vous avez il va falloir que vous connaissiez par jour un centimètre. Vous voyez, au bout d'un an, même si c'est un blé, il va être à 1m20, 1m30, ben plus. Donc vous êtes obligé de connaître son sous-sol. Et ça, c'est une méthode. Maintenant, je dirais qu'avec la connaissance, on peut mieux caler le côté de vocation. Mais il faut se baser sur ce que faisaient les anciens. Nous, des fois, on est confrontés, c'est un exemple qu'a donné Claude, des gens qui avaient autrefois, le grand-père faisait des animaux, et en fait, le champ était cultivé, la prairie était faite en ado, c'est-à-dire qu'en fait, quand on l'a regardé, nous on l'a senti, parce qu'en fait, ça faisait des petites buttes, mais très, très légères, et en fait, l'eau repartait de chaque côté, et le fils, ça l'embêtait, en fait, il a tout remis à plat, et il avait énormément de problèmes avec ses vaches qui, en fait, étaient, ça faisait flou, c'était en plus des sols très argileux. Et il dit, je vais passer en céréales. Mais ce n'est pas le fait de passer en céréales qu'il allait faire, c'est qu'en fait, il n'a pas géré son sol comme l'ancien l'avait géré en ado pour pouvoir éliminer le plus d'eau. Voilà. Si vous voulez, depuis 30 ans, nous, notre travail, c'est aller dans les zones, par exemple pour la vigne, on a maintenant développé, en méthode d'analyse de sol, on peut vous dire si votre terroir est un terroir à vin blanc ou à vin rouge. Comment on a été dans les grands terroirs à blanc traditionnels, la région des Côtes-de-Beaune en Bourgogne, le Sauterne, le Tokay, etc. On a regardé les caractéristiques du sol. Et puis la Côte des Blancs en Champagne, pourquoi on met du Chardonnay sur la Côte des Blancs, pourquoi ils mettent du Pinot. Et donc on a toute une donnée, on a été regarder où est-ce qu'on faisait les très grandes huiles d'olive en Europe, on a regardé les... Et donc maintenant, c'est l'accumulation de tous ces... Vous voyez, pourquoi on fait les très grandes fraises à Plougastel? Bon, maintenant, c'est fini, elles sont toutes hors sol, mais autrefois, on faisait de la fraise de Plougastel sur le sol de Plougastel. Il y a des caractéristiques typiques pour la fraise, qu'on retrouve d'ailleurs en Bolivie, qui est le pays d'origine de la fraise. Donc, on a accumulé, si vous voulez, toutes des données qui nous permettent de vous dire, voilà, ça, c'est un sol pour faire du maraîchage, ça, c'est pour faire de l'arbo, ça, c'est pour faire des céréales. C'est à force d'en faire. On a fait plus de 9000 analyses. On a maintenant des données qui sont basées sur la tradition. Pourquoi on fait du très grand comté dans le Jura? Mais c'est des raisons pédologiques bien particulières, si vous voulez. Je crois que, sans faire de chauvinisme, la France est vraiment un des pays qui a poussé son agriculture au maximum pour la qualité de ses produits. La notion de terroir, c'est un mot français. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Et en fait, regardez dans les littératures ou les vieux livres, on parlait de la fraise, comme vient de dire Claude, la fraise de Plougastel. Vous faisiez la différence entre le melon de Cavaillon et le melon du Quercy. On parlait pour les animaux. Donc on était le pays du terroir. Et on a développé ça. Nous, on travaille maintenant à l'étranger, où les gens disent, en fait, vous étiez presque, vous avez pris la France, votre pays, comme un jardin. C'est-à-dire que les agriculteurs, le monde agricole, avait cultivé cette France comme un jardin. On pouvait presque mettre un pied dans un endroit où on cultivait une chose et une autre. Et vraiment, la France, c'est le berceau du terroir. C'est vraiment d'ailleurs, on a même mis au patrimoine mondial de l'UNESCO la gastronomie française, mais je pense parce qu'on était dans les produits de terroir. On parlait de la carotte nantaise, on parlait du port de Paris, le port de Bayonne. On a parlé de la moutarde de Dijon, on arrive de Bourgogne, je peux parler de ça. Je veux dire, le produit était lié à un terroir, à un endroit particulier de la France. Et on est vraiment, on a vraiment ce plus. Et je ne fais pas de chauvinisme par rapport à d'autres pays, on n'a pas du tout cette démarche-là. La France a la géologie la plus complexe du monde avec Madagascar. Mais contrairement à Madagascar, nous avons en plus, nous, la chance d'avoir des climats extrêmement variés. Climat méditerranéen, climat océanique, climat de mer du Nord, des montagnes. Nous avons la plus belle chaîne de volcans du monde. Tous les volcanologues du monde viennent étudier la chaîne du Massif central. Il y a tous les types volcaniques du monde. Donc vous voyez, c'est un pays tout à fait étonnant pour ça, et qui a été mis en valeur par les hommes.
Merci beaucoup. Merci.